me trouve à ce fauteuil, c'est en application de l'article 6 du paragraphe 1 de notre règlement qui prévoit qu'à la présente séance, la plus âgée des membres, c'est moi, remplit la fonction de président jusqu'à la proclamation de l'élection du président. Je déclare donc ouverte la séance constitutive du Parlement européen. Mesdames et messieurs les élus de l'Europe, les étoiles du destin et les chemins de l'écriture m'ont mené à cette tribune pour y vivre, présidente d'un jour, un honneur dont je n'aurais jamais osé rêver et une joie, la joie la plus forte que puisse éprouver une créature au soir de son existence, la joie d'une vocation de jeunesse miraculeusement accompli. Il me semble, en cet instant, n'avoir jamais traversé le siècle et sillonné le monde que pour venir à votre rencontre, en amoureuse de l'Europe, et pour tâcher de formuler avec vous, avec votre approbation, les angoisses et les espérances qui tourmentent, qui soulèvent notre conscience collective. Nos peuples nous écoutent. Les deux Amériques, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie nous écoutent. Ah, mes merveilleux Européens, sauvegardons ensemble notre bien le plus précieux, à savoir notre culture et notre fraternité en cette culture. Je vous demande votre accord. Je vous demande votre accord que cette journée historique ne s'achève pas sans qu'une flamme nouvelle est brillé aux cieux de notre civilisation en travail de rajeunissement et que cette flamme, ce soit vous qui l'ayez allumée ici, à Strasbourg, la métropole symbolique de la réconciliation continentale. For your attention. Danke, grazie, danku, tak, et bienvenue, forte. Oui, bienvenue, et en mon incomparable langue natale, j'ajouterai ceci du fond du cœur.